Alors voilà un tutoriel qui vous donne quelques idées pour faire un titre de film ou habiller un titre de film en proposant quelques superpositions de couches vidéo et en proposant de mettre plusieurs petites vignettes des meilleurs moments de votre film pour le bien le vendre dans le début, dans une espèce de mini sommaire en images de quelques secondes. Voilà. Alors j'ai là par exemple un film de vacances que j'ai fait au Chili il y a déjà quelques années de cela. Je prends une longue séquence qui résume bien l'ambiance, c'est-à-dire la musique et le côté exotique un peu de ce joueur multi-instrumentiste que j'ai croisé dans les rues de Valparaiso. Donc je vais partir de cette séquence-là, mais en même temps sur cette séquence, je vais ajouter quelques images qui sont les images un peu les plus fortes ou les plus emblématiques, on va dire, de ce film. Alors je vais d'abord aller les chercher, j'enlève le magnétisme, je me balade. Bon, c'est pas vraiment. Alors voilà, il y avait un funiculaire par exemple ici qui me semblait être une image forte. Non, ce funiculaire-là, je vais faire un pomme. C'est. Je vais venir au début de mon film et je vais faire un Alt V pour venir le coller ici. Je vais aller ensuite chercher d'autres images fortes. Ça, par exemple, c'est pas mal, ça me semble joli, cette espèce de bonhomme qui sort de nulle part. Donc pareil, pomme C. Et je viens au début. Alt V. Alors j'ai mon plan principal ici et j'ai les trois plans que je voudrais insérer ici, enfin des petits passages de ces plans-là que je vais venir mettre. Alors d'abord j'ai pas besoin des sons, hein. Je vais me débarrasser des sons, donc je fais tout de suite un pommel ici pour délier et je vais me débarrasser des sons tout de suite. Hop, ici pareil, pomme L, hop. Je vais réduire mes pistes pour pouvoir gagner de la place dans la présentation de ma timeline. Alors vous voyez ici, je vais aller dans la présentation la plus petite de mes pistes et il va falloir que j'en rajoute des pistes. Je vais avoir besoin de 5 pistes, donc je fais même 6 pistes. Donc 3, 4, par contre en son je suis tranquille, 5, donc 1, 2, 3, bon ça devrait me suffire là en fait. Et je vais venir superposer les pistes comme ça. Donc celle-là par exemple. Celle-là, on va faire comme ça, ici celle-là, et la plus courte à la fin, que je vais allonger, on va dire, hein, on va la prendre d'ici jusque-là. Donc j'ai mon dégradé des trois images que je veux mettre, d'abord voilà, ensuite ça, et ensuite ça. Alors, je vais les recadrer, celle-là, je vois que ça se passe essentiellement sur la partie gauche de l'image, d'un bout à l'autre. J'enlève le magnétisme pour pouvoir balader plus tranquillement. Ouais, voilà, ça se termine ici. Donc ici au mieux c'est ça. Je vais le recadrer en rognant un peu sur la gauche. Pas trop d'ailleurs sur la gauche, plutôt sur la droite. Ici. Un peu sur le bas. Et puis je vais lui donner un look un petit peu plus sympa, un peu plus tordu, on va dire, en descendant. Ici, ma présentation à 50% et en venant sur cette déformation comme ça. Et là, mon petit bonhomme, je vais le tordre un peu. Voilà. En le baissant un tout petit peu encore, même beaucoup. Et en le plaçant ici. On reviendra sur tout ça, hein. J'ajusterai encore un peu après. Mais voilà un petit peu l'image que je donnais de lui. Alors, là, maintenant qu'il est prêt, je vais l'oublier un moment, c'est-à-dire enlever la piste ici, paf, pour ne plus le voir. Hein, je sais qu'il est. Je le ferai venir en dernier à droite. Celui-ci, je vais le faire venir au milieu. Alors, à quoi il ressemble ce plan? À ça. Hein. Une fois qu'il est passé, c'est plus très intéressant, donc c'est plutôt là qu'il faut que je le prenne. Et puis pour qu'il aille un peu plus doucement, je vais l'allonger un peu artificiellement en faisant pomme J et en le mettant à 80%, ce qui va permettre de gagner un peu de temps. Donc maintenant, lui, je vais le garder comme ça, mais je vais aussi entre l'un et l'autre, ici, le descendre en taille déjà et en le rognant un peu. Et en m'amusant à le tordre un petit peu comme ça. Hop, c'est lui que je vais
Et lui, je vais venir le mettre là au milieu, comme ça, en plus petit encore. Donc, animation, on va descendre encore d'au moins de 10. Comme ça. Et alors, ma route ici, bon, on voit que c'est essentiellement traîné sur. Oui, ça se joue essentiellement au milieu de du plan. Donc, je vais rogner un petit peu. Rognage. Donc, à gauche et à droite. Et en haut, un petit peu. Et lui, pareil. Voilà. En le faisant tourner un peu sur lui-même ensuite. Et ensuite, en faisant réapparaître les deux autres pistes pour le positionner, en le mettant quelque part comme ici. On va descendre l'ensemble ici. Pour faire un peu de place au titre aussi, parce que c'est pas le tout. Donc mon troisième ici. Alors les trois apparaissent, vous voyez, pas tous au même moment. Donc on va les faire entrer maintenant. Lui, on va le faire arriver juste avant l'autre, ici. Hop, je fais entrer juste avant que le deuxième arrive. Donc c'est une histoire de placement. J'appuie sur centre ici, je reviens au début du plan, je refais un point d'animation clé sur centre, ici je me cale sur 50% et je le fais arriver de la gauche comme ça. On va passer sur l'autre, un point ici et un point là, et on va le faire arriver de la gauche, et le dernier on va le faire arriver du bas, un point ici d'animation et un autre juste après ici, sachant qu'au départ il va être ici. Donc les trois arrivent d'endroits différents. Le premier ici. Le second là. Et le troisième là. On refait un petit rendu. Et là, je relis. Et là, je fais arriver mon titre texte. Je le colle sur la piste 5. Alors, Chile, on va déjà choisir une police qui soit plus sympa. Et pour ça, j'ouvre le livre des polices. Je fais une recherche personnalisée avec Chile. On peut mettre Chile aussi, allez, ce sera plus simple. Et on essaye de regarder police après police qui peut être sympa. Et pourquoi pas ça? Allez. On prend celui-là. Allez, on y va. Black Hawk Standard. On le met un peu plus gros, comme ça. Pas mal. On le place ici. Et puis surtout, on va le faire arriver dès que la troisième vidéo est là. Donc ici, en animation taille échelle ici. Et là, on part de rien. Donc ici, on est à 0. Donc on fait un rendu. Comment faire un résumé des images les plus fortes et avec un petit titre sur la séquence.